Guidi pour Papa, volée de Papa, formidable. Formidable but de Jean-Pierre Papin. Extraordinaire volée du meilleur buteur du championnat de France qui marque là son 18e but et surtout marque un but assez fabuleux. Formidable. Il disait Jean-Pierre Papin que le plus beau but qu'il avait jamais marqué était celui marqué d'une volée à Olmeta face au Matra Racing. Mais regardez sur cette ouverture de Bernard Genghini, une volée du pied extérieur sous la barre. Un but exceptionnel, Michel. Ah oui, l'ouverture est magnifique, mais le plus dur le fait Jean-Pierre Papin qui tente sa chance. Et il la prend bien du bout du pied, le ballon prend une trajectoire un peu floue et Merel qui faisait le pas en avant, on va le revoir là de devant, regardez bien Merel fait le pas en avant, il ne peut vraiment rien sur ce tir lobé et très fort de Jean-Pierre Papin. Mais on a bien fait venir Charlie, hein, parce qu'un but comme ça, pourrait même arrêter maintenant, on pourrait rentrer chez nous. Oui, effectivement. À lui tout seul, ça valait le déplacement. Regardez comme Papin se place bien par rapport au ballon. Mais surtout, mais quelle audace il faut pour tenter une volée pareille. Elle est en plein milieu du but, mais avec une balle plongeante. C'est tellement surprenant pour le gardien que c'est quasiment imparable. Et c'est un but extraordinaire qu'on mettra dans la collection de la saison. À côté d'Alain Giresse, aujourd'hui va évoluer Abedi Pelé. Qui sait, Abedi Pelé rentrera peut-être dans le cœur de tout le monde comme était Alain Giresse. Regardez en tous les cas ce qu'est capable de faire Abedi Pelé avec un ballon en une poignée de secondes. C'est ce qu'il nous a montré hier à l'entraînement au domaine de Tournon où l'équipe de Marseille était au vert. Abedi Pelé et son ballon. Hop.